Hey tous mes amis, c'est Diabolus Killer et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon avec un item super rare. C'est une valisette Pokémon, comme vous pouvez le voir, 25 ans Pokémon, qu'un ami m'a offert. Je le remercie vraiment mille fois. Donc tu te reconnaîtras dans les commentaires. Azold, frérot, merci, t'es le boss. Bon, c'est incroyable, c'est une box, comme vous pouvez le voir, qui contient ici un petit livret pour ranger ses cartes. Une carte promo Trioxydre C, une carte promo Mimiki. Et une carte promo, comment il s'appelle, le Salarsen Lumineux, avec des boosters Célébration et d'autres boosters. C'est un pack qui est que disponible en Angleterre et aux US, donc en anglais quoi. Il n'est pas disponible en français, donc c'est assez collector. Donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui sur la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On a dépassé les 150 abonnés, on est presque aux 100 followers sur Twitch. Le lien dans la description de la chaîne YouTube, enfin de ma vidéo. Donc on s'ouvre ça tout de suite. Hop. Alors, je suis très content de vous ouvrir aujourd'hui du Célébration les gars, parce que c'est vraiment une série que je kiffe ouvrir et que je veux ce Dracaufeu shiny. Bon, je vais pas vous faire l'affront entre guillemets de vous remontrer. Hop, on regarde le petit carton ici, on regarde sur le côté. Hop, le plastique, on s'en tape entre guillemets. On va refermer le couteau parce que si on se le prend dans la main, ça va pas le faire. Hop. Et on a cette magnifique valisette Pokémon. Ça, c'est un item, je n'en avais pas dans ma collection. C'est incroyable d'avoir ça, je trouve. C'est juste super beau. Je sais que ça existe depuis longtemps et je pense que les valisettes, il n'y en a presque pas en français, hein, des valisettes Pokémon en tout. Donc voilà. Oh, c'est tellement stylé. Alors évidemment, nous avons nos protège-cartes. J'ai pas fait la même erreur que sur l'autre vidéo. Bon, évidemment, on a un énorme jeton Pikachu ici des 25 ans. Et on a ces fameuses cartes que j'ai vues très souvent sur les réseaux. Alors on va faire attention pour les enlever parce qu'elles sont magnifiques. Nous avons tout d'abord le Mimiki holographique. Hop, je vais vous remettre un peu plus de lumière ici. Le petit Mimiki. Alors si vous entendez du bruit derrière, j'espère qu'on n'entendra pas trop. C'est un mec qui fait évidemment son jardinage dehors. On adore. Donc évidemment c'est de l'anglais et c'est Mimiki espèce delta comme vous pouvez le voir. Parce qu'évidemment ils ont sorti toutes les cartes et elle est magnifique avec les bords dorés comme ça. Elle est incroyable. Hop, on se la met sur le côté ici. Ensuite nous avons, pardon, j'ai frappé dans la lampe, MRC, Trioxydre C, donc de, comment elle s'appelle, de Iris, hein, c'est Iris sa dresseuse. Voilà, juste magnifique. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup qui est sorti dans la version noire et blanc de Pokémon. Évidemment, la version qui va être faite en let's play sur la chaîne YouTube, évidemment, sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie là-dessus. Et on a le Salarsen, donc Toxtricity, pardon, en français, en anglais. Hop, Light. Parce qu'évidemment, il y a les cartes sombres. Et du coup, ils ont sorti les lights, je pense. Hop, attendez, le focus, s'il vous plaît. Voilà, elle est magnifique, cette carte. Juste incroyable. Déjà, ces trois cartes Zolo sont juste incroyables. Je suis trop content de les avoir. Nous avons juste les boosters derrière. Alors, hop. Donnez-moi mes boosters. Allez, on en a 5, je crois. Ah non, plus, on en a 6. On a 6 boosters célébration. Hop, qu'on met sur le côté. Et on a... un style de combat et un voltage éclatant. Je n'ai jamais ouvert de voltage éclatant, donc c'est stylé. Et on a le petit code online déjà. Hop, vous l'avez vu. On le met sur le côté. Maintenant, le petit carton. On a des petits autocollants Pikachu. Voilà. Sympa, c'est chouette. C'est toujours chouette pour décorer une Switch ou un truc comme ça. On le met sur le côté. Hop. Nous avons encore des autocollants. Ici, je crois. Oui, c'est ça, c'est tous les autocollants. Hop. Ah oui, d'accord, il y a deux pages d'autocollants encore ici, tac. On les met sur le côté. On a encore des autocollants là. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors oui, alors, nous avons ici le petit livret pour ranger nos cartes. Des 25 ans, je pense que je vais le laisser sous sleeve, comme ça. Il garde sa valeur un peu. Même si, voilà. Et j'ai un petit bloc-notes. Pikachu, c'est stylé aussi, ça vous avez vu qu'il mettait dedans, je trouvais ça très 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 chouette. Et nous avons un petit
un mini poster avec les petites cartes promo qui donnent dedans. Voilà. Donc voilà, on a ouvert cette petite valisette qui est juste incroyable. On va se la mettre de côté ici. Tac. Alors je vais juste vous faire un petit récap des cartes qu'on a eues. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez pas vous spoil les vidéos que j'ai sorties sur les 25 ans Pokémon. Nous avons la Lanceurien promo, une Mewtwo, enfin une Mew X, deux Mew X, une Luxray X, le Pikachu comme ça. On a trois Amazenta, dont un qui est un bug de fabrique, vous voyez ici, hein, avec la presse. Admin Rocket, le Groudon, le Reshiram et Recherche Professorale. Donc nous n'avons pas encore eu une seule des cartes starter de la première G. Donc je parle évidemment du alors je recale un peu la caméra, du Dracaufeu, du Tortank et du Florizarre, et j'ai pas eu non plus le Noctalis Star. Après il y a d'autres cartes sympas à voir, donc espérons qu'on ne va pas avoir trop de doubles. Alors on va tout de suite zoomer sur notre plan de travail. Je pense qu'on va commencer par le style de combat et le voltage éclatant, comme ça au moins c'est fait. Hop, bon, là, si on a quelque chose, c'est bien. On a vu hein, sur la dernière ouverture de célébration qu'on avait eu un truc assez stylé hein, dans notre booster. C'était un ring de glace qu'on avait eu. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 devant. Hop, et on part avec une énergie psy. Évidemment, c'est des cartes anglaises. Hop, focus, ok, tournegrin. Gliscor, c'est. J'ai oublié, allez, Scorvol, Dresseur, ok, Larvadar, Charby, Eoko, Onyx, Gripat, Morpeko en reverse et, oh ok d'accord, Tokotoro en holographique. C'est sympa, c'est une petite carte sympa à voir, ok. J'ai pas beaucoup ouvert de style de combat, donc ça fait plaisir. Alors là, c'est mon premier booster voltage éclatant de ma vie. Hein. Je n'en avais jamais ouvert. Hein. Puis ça devient très rare à trouver de toute façon. Donc bon, voilà, c'est un petit booster anglais. Ça fait plaisir. Voilà la collection de boosters. Hop. Vous voyez, code online, ils sont verts comme ça. Pour les anglais. Hop. 1, 2, 3, 4 devant. Hop. Et on a une énergie plante. Chevroom, Stade Windsor, Métang, Mélofée, Anchouette, Crémy, Miaouz de Galar, encore un Eoko, ou Lugarok, je crois que ça doit être une Reverse, en Reverse, et Lucario en rare. C'est éclaté, on va se le cacher. Voltage éclatant, tu nous déçois, mais maintenant on a nos boosters 25 ans, nos 6 boosters 25 ans Pokémon. Hop! On se les ouvre parce que c'est ça qu'on veut les potos. Je crois qu'il va y encore avoir des ouvertures célébrations qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Hop, le petit code. Et alors, on commence tout de suite avec le Reshiram. On a presque toutes les holos hein, de la série. Le Lugia, on l'a déjà. Attention, derrière, il peut y avoir un truc. Ok, le Groudon, on l'a déjà aussi, celui-là. Et on a le Mew. Ok, donc c'est un booster où il n'y a rien, ça. Ces 4 cartes là en laser déjà en holo, hein, c'est les bêtes cartes normales entre guillemets. Premier booster, pas ouf. Il n'y a que le Mew qui est encore mignon, mais c'est pas. Nous ce qu'on veut c'est le Mew Gold, hein. On va pas se le cacher. Hop, le petit code à l'envers, comme ça vous avez un peu de challenge les amis. Hop, et on a. Oula, je vais me faire spoil. Le Dialga, Cosmovoom, ou Admin Team Rocket qu'on a déjà, et le Pikachu. Ok, ça va, mais c'est pas incroyable, c'est pas ça qu'on veut. Allez, on entame le troisième booster. J'ai bien défoncé sa race, je vais y mettre. Hop. Tac, le petit code toujours à l'envers, on aime. Et on a le Groudon. C'est Chrome, derrière il peut y avoir quelque chose. Palkia, ok. Et on a Lunala, c'est Éclatax. Pour l'instant, vraiment, on n'a pas grand chose hein, dans cette petite valisette Pokémon. C'est un peu dommage. Bon, si j'ai le Dracaufeu, par contre, vraiment, les Dracaufeux, ils pop que dans les boosters en anglais. Hein, pour moi, ça serait incroyable. Moi, je vous avoue que tant que j'ai cette carte, je m'en fous un peu de si c'est en français
ou en anglais, même si vous le savez, je préfère quand c'est du français. Hop. Et on part tout de suite sur un petit Lugia. Précharm, Zekrom, et encore le Pikachu. Bon, celui-là, on l'a vu et revu. Il n'est pas très rare. Bon, il nous reste que deux boosters. Là, c'est difficile. Là, c'est chaud. Allez, là. Allez, quoi. On y croit. Hop, on met le booster de côté. On ne sait pas spoil. Le petit code à l'endroit pour une fois. Et on part tout de suite avec Reshiram. Groudon. Oh, let's go, je l'avais pas celle-là. Oh, le petit Melo. Je pense que c'est une ultra. Hein. Oh, elle est très belle. Et derrière, on a le Lunala. Oh, très très belle. Elle est en touche holographique, enfin full art sur les côtés. Ouh, ça fait plaisir. Au moins, celle-là, je ne l'avais pas. Enfin, on bouge la caméra encore une fois. Tac, ça fait plaisir d'avoir eu cette petite carte, je vous avoue quand même. Elle est sympa cette carte. Hein. C'est sympa ça. Ah, Pikachu d'anniversaire, ça serait stylé de l'avoir en vrai. Hop. Le code. Tac. On retourne. Oh, le Kyogre, je crois que je ne l'avais pas. Le Groudon. Attention, derrière, il peut y avoir un truc. Non, Cosmog et recherche professionnelle. C'est vraiment, et je le redis 6 fois, vraiment pas ouf. On n'a pas eu 50 000 trucs. On va quand même sleeve les 2-3 cartes qu'on a eu sympa. Hop. Parce que ça reste quand même des cartes sympathiques. Hop. On va faire le petit récap que tu connais. A few moments later. On a eu évidemment le petit Melo. Voilà, il est beau, il est tout mignon. Hop, on a eu un Pikachu en holographique. On a eu Admin Team Rocket, Rocket Admin, déjà eu. Un deuxième Pikachu, et évidemment les cartes qui nous intéressaient, c'est tous ces trois-là. Ces petites promos, voilà. One eternity later. Et voilà, on se retrouve du coup pour la deuxième valisette Pokémon en anglais des 25 ans de célébration. On a ouvert du coup celle-ci juste avant, on va ouvrir celle-là. Je sais que la vidéo paraît bizarre, c'est parce qu'en fait du coup j'ai juste trouvé une deuxième box, donc quelques jours après avoir ouvert la première, et je trouvais que c'était plus intéressant d'ouvrir les deux en même temps. Donc bon, je vais l'ouvrir, je vais prendre les boosters. On va les mettre sur le côté pour les ouvrir juste après. Je vous ai déjà montré ce qu'il y avait dans la box. Donc on se retrouve juste après, bah du coup quand j'aurai ouvert la boîte. 2 hours later. Et donc voilà, on se retrouve, on a tout ouvert. Du coup, comme vous pouvez le voir, hop, on a les petites cartes promo ici. L'avantage c'est qu'elles sont en français, du coup maintenant, vu que c'est une box en français, pas en anglais. Donc ça c'est cool, c'est pour la collection. On a la pièce, évidemment, vous l'avez déjà vu, on s'en fout un peu. Hop, le petit code. Alors, le petit zoom, voilà. On a nos boosters, on a nos 6 boosters célébration, un style de combat et un règne de glace, ça fait plaisir. Évidemment, j'ai ma pile ici des 25 ans qu'on a, donc des cartes qu'on a déjà eues. On va essayer de. Alors voilà, je bouge un peu la cam, de ne pas réavoir les mêmes cartes. On va d'abord ouvrir les règnes de glace, enfin le règne de glace. On avait déjà eu souvent des bonnes cartes dans règne de glace. Hop, on va s'ouvrir ça. Alors, on va l'ouvrir comme ça. On va essayer de pas se spoil. Hop, le petit code. Tac. 1, 2, 3, 4. Devant. Hop, et on commence avec une énergie plante. Voilà, je frappais dans ma lampe, j'adore. Lanterne accueillante. Sophora. Bastien, Zébivron, Quillfish, Ramolos, Aspico, Poulpaf, Mangriff en reverse et Lugarok en holographique. Ok, ça fait plaisir, c'est une petite holo, on l'avait pas.
Mais bon, c'est pas une ultra, c'est pas une V, c'est pas une full art, c'est pas tout ça, c'est juste une bête holo. Hop. Alors, j'ai un peu du mal là avec le booster, il ne veut pas s'ouvrir correctement. Voilà. Alors, on a le petit code 1, 2, 3, 4. Et on commence tout de suite avec une énergie obscure, Vortante, corde sortie, tour de l'eau, Malos, l'épidonie, le focus s'il te plaît, oui, Manorpal, Scorplan, Electek, ok, Shaofuin en holo ou en rare reverse. Et on a derrière, ok, Moyade en rare, c'est Clatax. Bon, on en a fini avec ces petits boosters, épée bouclée normale. Maintenant, on va s'ouvrir les 25 ans là, c'est ça qu'on veut. Évidemment, on veut le Mio Gold, on veut un starter de la première G en. Comment ça s'appelle ? En réédition. Et on commence tout de suite avec Cosmovome, ok. Xerneas, ok, derrière il peut y avoir un truc. Oh, let's go! Oh, je l'avais pas! Et le Miniou. Oh, let's go! Oh, je l'avais pas, Zekrom. J'avais Reshiram, mais pas Zekrom. Oh, let's go, elle est magnifique. Let's go! Allez, une petite carte qu'on n'avait pas là. Ça fait plaisir. Hop, on va juste un peu zoomer sur le plan de travail, pardon. Si on voit toutes les cartes sur le côté, c'est pas très intéressant. Hop. Prochain booster. On commence direct avec du lourd. Hein, là. Le petit Zekrom, ça fait plaisir, on l'avait pas. Hop, le code. Et on commence tout de suite avec Kyogre. Oh oh, il peut y avoir quelque chose derrière là. Non, Lugia. Et recherche professorale. Ok, éclaté. Éclaté, éclaté, éclaté. Alors aussi, il y a une nouvelle série qui est sortie, qui s'appelle Point de Fusion, donc je vais essayer de vous en trouver, de faire une vidéo dessus, sur les nouvelles cartes Pokémon. Même si à ce qui paraît, le taux de drop est très faible, et pour avoir des belles cartes, il faut avoir énormément de chance. Allez, on commence tout de suite avec Reshiram, Cosmo, qu'est-ce qu'il y a derrière? Dialga, et derrière, ok, recherche professorale, Full Art, on l'a déjà. On l'a déjà, mais c'est stylé. C'est stylé. Hop, on la met sous protège carte. Allez, on passe au troisième booster. Hop. Le petit code. Et on commence tout de suite avec Groudon, Cosmovome, Reshiram et Mew. On n'a rien, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, allez là, on veut du lourd, le petit code évidemment, on vous régale, je crois avoir vu quelque chose, j'espère que je me trompe pas, Dialga, Zekrom, et derrière, Reshiram, et derrière, oh Solgaleo, oh je l'avais pas, bah je l'avais pas eu encore Solgaleo, bon ça fait plaisir. Bah dans la collection, je l'avais pas encore eu sur le Galio en reverse comme ça. Ça fait plaisir quand même, mais bon, c'est pas une ultra, donc on va pas non plus s'emballer. Mais je l'avais pas, donc c'est cool pour la collection. Elle a l'air plutôt rare, hein. C'est la première fois que je l'ai en quand même pas mal de boosters, hein, comme vous pouvez le voir. Donc bon. Hop. Allez. Ce sera peut-être ma dernière ouverture 25 ans Pokémon, parce que après ça devient très rare d'en trouver. Donc voilà. Hop. Allez, dernier booster, Cosmovome, Xerneas, derrière, Kyogre, en avion, on n'aura rien. Oh, si, Pikachu volant V. Alors, est-ce qu'on l'avait celui-là? Non, on l'avait déjà, t'es sérieux? On l'avait déjà, non. Oh, le seum. Oh, le seum. Allez, c'est pas très grave, c'est cool. Bon, du coup, je vous avais déjà fait un petit récap tout à l'heure.
des 15 qu'on avait eu pour la première box. Maintenant, on a eu celle-là. On a eu beaucoup plus de chance sur cette box-ci, hein, on va pas se mentir. Au moins, on a eu le petit écran qu'on n'avait pas. Et le sol Galéo. Donc, du coup, bah voilà. C'était Diablo the Killer. Je vous retrouve pour de très nouvelles vidéos, enfin de toutes nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Cartes Pokémon. On va essayer de trouver de la nouvelle extension. N'hésitez pas à aller dans la description vous abonner à mon Twitch, parce que c'est important, je fais beaucoup de live dessus. N'hésitez pas aussi à aller, si vous faites une petite commande Amazon, vous allez sur mes liens en bas, Amazon, vous allez avec ce lien, vous pouvez voir les outils que j'ai pour streamer, etc. Et vous pouvez faire n'importe quelle commande, ça va me rapporter un peu de sous. Ça fait plaisir pour la chaîne les gars, si vous pouvez pas vous sub, etc. Donc voilà, c'était Diablo the Killer, je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Tchuss.